صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. عم نتابع ايضا تغطيه معرض الكتاب الفرنكوفوني بعدده العشرين ضمن فقره كتاب بام تي في الايف، واليوم متشوقه اني استضيف كاتبين وهن مؤرخين، يعني عندهم كتب رائعين كل واحد بمواضيع خاصه. بحب اعرف عليهم وارحب فيهم بفقره كتاب. مسيو هنري لورانس، vous êtes le bienvenu. Merci. Ce n'est pas la première fois que je vous invite sur mon plateau, mais à chaque fois, c'est encore un livre plus intéressant et vous nous éclairez sur le Moyen-Orient. Merci encore une fois d'être là. Et monsieur Pierre Connaissat, vous êtes le bienvenu dans Kitab. J'ai pu bien sûr vous rencontrer depuis deux soirs donc à Biel, mais aujourd'hui on aura encore plus de temps de parler de votre livre qui pour moi personnellement est un livre unique en son genre. Merci. Vous êtes les bienvenus. Henri Laurence مؤرخ فرنسي من مواليد 1964 ومتخصص بالعالم العربي الإسلامي، حائز على دكتوراه بالتاريخ والأدب العربي، وهو من أهم الأخصائيين في الشرق الأوسط. شغل مناصب مهمة جدا في باريس وفي بيروت، وحائز على جوائز مهمة أيضا ووسام الشرف شيفاليه دو لا ليجيون دونور سنة 2011. أصدر عدد من الكتب التي ترجمت إلى عدد من أيضا اللغات، من لا كيستيون دو باليستين، تيروريسم، إستواغ إي دروا وغيرها. واليوم موجود بمعرض الكتاب الفرنكوفوني ليوقع كتابه ليز أوريونتال. دونك vous êtes là dans le cadre du 20e salon du livre francophone. Et vous allez signer, vous avez signé, oui. Vous allez encore signer deux fois, donc votre livre, Les Orientales. Je sais que d'abord que vous êtes un habitué du Liban. Je suis un amoureux du Liban. Vous êtes un amoureux du Liban. C'est un pays très riche sur tous les plans. Et vous avez même vécu ici. Et ce n'est pas la première fois que je vous reçois. Vous avez deux conférences, une le jeudi 1 à 19h autour de Rassan Twaini, foi, droit, liberté. Que représente ce grand homme, ce grand journaliste, ce grand écrivain dans le monde arabe? D'abord, pour moi, c'est d'abord un ami, parce que j'ai été honoré de son amitié pendant une quinzaine d'années. Je crois que c'est un grand symbole de ce qu'aurait pu être le monde arabe et de ce que malheureusement il n'a pas pu être. Hassan était un espèce de prince de la culture, un humaniste profond, un immense savoir, un journaliste qui s'est battu constamment durant toute sa vie pour la liberté de la presse. Il a été aussi un homme politique, un député. Un ambassadeur, un des livres auxquels il a collaboré, c'était Un siècle pour rien, c'est-à-dire une espèce de déception dans laquelle la voit non seulement le Liban, mais l'ensemble de la région s'est engagée. Et il me semble qu'en même temps, la présence de quelqu'un comme lui dans toute cette histoire est quand même réconfortante. بيان سور عم بسأله اليوم عنده محاضرة عن غسان تويني اللي خسرناه مش من زمان. غسان تويني الكاتب والصحافي الكبير اللي بنفتقد من أشخاص مثله اليوم بالقرن 21، واللي أكيد كان أولا صديق له، و يعني كل عمله كان مفيد مش بس للبنان ولكن للشرق الأوسط وللعالم الفرنكوفوني. واليوم اللي بحب الساعة 6 بالبيال في محاضرة عن Rassan Twaini, Bidira Akide, M. Henri Laurence. Et vous faites donc une autre conférence le vendredi 2 à 18h, Renaissance littéraire et conscience nationale aussi. Vous signez votre dernier ouvrage, donc oriental, je veux dire le jeudi 1 à 19h et le vendredi 2 aussi à 19h, dans lequel vous relatez l'histoire contemporaine de l'Orient arabe. Est-ce pour éclairer les logiques politiques d'aujourd'hui, que vous parlez surtout du passé? Bon, écoutez, le général de Gaulle, hein, je crois, a utilisé dans ses mémoires une expression malheureuse qui était un Orient compliqué. Je crois que l'Orient n'est pas plus compliqué que l'Occident ou d'autres régions
du monde et ce petit livre qui fait un peu une centaine de pages et qui prend quelques grands thèmes, qu'est-ce que c'est que l'Orient, l'histoire du pétrole au Moyen-Orient, l'histoire de la Palestine, l'histoire de l'Irak. Dans ce petit livre, j'essaye de rendre compréhensible et simple ce que l'on présente généralement comme compliqué. Et donc, vous croyez que, grâce à votre passion pour, d'orientaliste et votre force de conteur, on peut comprendre en lisant les orientales qu'on ne peut pas vivre le présent sans avoir bien connu et compris le passé. Ah ben, on dit souvent que cette région a trop de passé, mais soyons plus modestes. Je crois que le passé n'existe pas en un sens. Je crois que le passé, c'est toujours ce qu'un présent choisit à l'intérieur du temps. Oh, ça, c'est fort. Et donc, si vous avez un passé qui influence négativement, c'est en fait parce que le présent est négatif. Ah, d'accord. Donc, vous croyez, logiquement, que chaque période se termine lorsqu'elle se termine. On ne peut pas revenir en arrière et vivre aujourd'hui parce quelque chose, un état quelconque, parce qu'on a vécu quelque chose avant. Ben, c'est le contraire. Ce n'est pas une suite. Non, je pense, si vous voulez, si vous êtes dans une phase heureuse, vous construisez un passé heureux. Selon votre vision des choses présentes. Et si vous avez... Le passé, c'est comme un texte qu'on utilise en fonction des besoins du moment. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Connaissard? Moi, il y a deux choses qui me frappent dans ce que dit monsieur Laurence. D'abord, vous l'avez qualifié d'orientaliste. Et nous, ce qui nous manquerait, ce serait des occidentalistes venant du Proche-Orient. C'est-à-dire des gens qui nous regardent, si vous voulez, en nous mettant le doigt sur des choses que nous considérons comme des acquis universels. Ça, ce serait vraiment un travail très, très, très utile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, je suis tout à fait d'accord avec la définition qu'a donnée M. Laurence de l'histoire. Moi aussi, j'étais historien. Quand j'ai passé l'agrégation, j'étais convaincu que j'avais tout bien compris. C'est-à-dire que je comprenais très bien que les acteurs étaient rationnels, que les décisions s'expliquaient très bien. Puis ensuite, j'ai passé l'ENA et j'ai travaillé dans l'administration. Et quelle n'a pas été ma déception de m'apercevoir que ce n'était pas du tout exactement comme ça que se passaient les choses. Et donc, le travail de l'historien est une interrogation sur le passé. Ce n'est pas une espèce de démarche objective. C'est une interrogation sur le passé et qui est une interrogation qui a toujours des postulats idéologiques. Donc, effectivement, moi, évidemment, je me suis surtout préoccupé de la question de la construction de la mémoire collective pour la guerre, c'est-à-dire bien sûr, pour se différencier de l'autre. Ouais. Et là, les historiens ont malheureusement un passif qui est très, très lourd. Quand on parle à M. Laurence, on a dit même aujourd'hui au Bictébo, nous avons parlé d'un tarif يعني العصري وهذا كان مهم جدا وسألته إذا لازم واحد يدرك الماضي تيقدر يفهم أكثر ويعيش أفضل يعني حاضر أفضل اللي هو بيعتبر أنه إذا عم منعيش حاضر إيجابي منشوف الماضي إيجابي لو كان الماضي سلبي كل مرحلة بتخلص وحسب كل واحد نظرته الحاضرة للأمور كنت عم بسأل مستر بيير كونيسا اللي هو كمان مؤرخ ما رأيه قال كتير مهم ولكن هو كمان عدا المستشرقين المفروض يكون في ناس عكس المستشرقين يكونوا من العالم العربي عم بيروحوا على العالم الغربي تيقدروا كمان يخبروا عن العالم الغربي لل يعني الناس الشرقيين وايضا بيقول انه مثل ما بيوافق الرأي مسيو لورانس انه كل واحد حسب نظرته للامور رح اعرف عن مسيو بيير كونيسا اكثر هو اكيد مؤرخ فرنسي وحائز على اجهزه بالتاريخ وبالتسلح ايضا من جامعه الانا وسانت دي زوت اتيود دارمومون وكان شاغل منصب عالي جدا بوزاره الخارجيه لمده الفرنسيه لمده 20 سنه اصدر كتب عديده واليوم عم بيوقع كتابه الاخير لا فابريكاسيون دو لانمي او كومون تويي افيك سا كونسيونس pour soi, كتاب رائع جدا. Monsieur Connaissa, donc depuis 8 ans, vous dirigez un important cabinet d'intelligence économique et vous êtes maître donc de conférences à Sciences Po et à l'ENA. Quelle est la situation aujourd'hui concernant l'armement dans le monde, mais surtout au Moyen-Orient?
L'armement se prête à beaucoup de mythologie, si vous voulez, parce qu'effectivement, on pense que si l'autre achète des armements, c'est qu'il a une intention belliqueuse, bon, ce qui est d'ailleurs un présupposé tout à fait normal. Mais ce qui est intéressant, c'est la construction idéologique qui est faite autour. Par exemple, on estime que si un pays s'arme, c'est qu'il a des intentions belligérantes. Bon. Mais si on regarde les statistiques mondiales, aujourd'hui, la moitié des dépenses d'armement sont faites par les Américains. Or, jamais dans la pensée stratégique occidentale, vous considérez que l'Amérique est un risque. Or, pourtant, merci. C'est un risque. Donc, vous voyez, c'est cette construction idéologique qui est autour de ces concepts qui sont l'armement, qui sont la menace, qui sont le risque, que je me suis penché. Et évidemment, alors, pour parler de la région qui est la vôtre, je crois qu'il y a deux sortes de clients. Hein. Il y a ceux qui achètent des armes parce qu'ils ont besoin d'anxiolytiques. Hein. Ce sont essentiellement les pays du Golfe. Ils n'ont pas l'intention de s'en servir, mais par contre, ils ont l'impression que ça les protège. Et évidemment, en achetant des armes américaines ou françaises, ils ont l'impression qu'ils ont en plus une garantie de sécurité. Et puis, il y a des pays qui les achètent pour les utiliser, comme malheureusement la Syrie ou comme éventuellement Israël ou d'autres. Et là, on a deux types de comportements très différents. Donc, le premier comportement, c'est un comportement plutôt psychique. Absolument, oui. Absolument. Et l'autre, c'est plutôt pratique. Absolument. Ça a بالعالم اليوم بالقرن 21 وخاصة بالعالم العربي لأنه الكل اللي بيفكروا أنه إذا صار في شرية يعني سلاح يعني معناتها عطول في فكرة حرب لا لأنه الأمريكان هن أكثر ناس بيشتروا سلاح مش معناتها تيعملوا حرب ولكن هذا عندهم مثل حالة نفسية أنه هن بيرتاحوا أنه معهم سلاح إذا صار شيء هيك بيقدروا يحموا حالهم أو أيضا الأوروبي ولكن بشرق الأوسط مثل بلدان يعني مثل الإمارات وغيرها بيتسلحوا وبيشتروا سلاح أكيد كمان مش لا يعملوا حرب ولكن كمان هيدا دافع نفسي لأنه بيحسوا أنه هيك عم بيحموا حالهم ولكن مثل بلدان مثل سوريا وإسرائيل بيشتروا سلاح لا يستعملون هيدا بيكون دافع عملي وليس نفسي. Dans votre livre La fabrication de l'ennemi, vous parlez de la disparition de l'URSS, l'ennemi soviétique, ce qui a entamé donc la cohésion de l'Occident. Pourquoi? Il y avait une phrase d'Arbatov, qui était le conseiller diplomatique de Gorbatchev, qui a dit à l'occasion d'un sommet d'Helsinki aux Américains, il leur a dit « je vais vous rendre le pire des services, je vais vous priver d'ennemis ». Et effectivement, c'est vrai qu'on était cimenté, si vous voulez, par un ennemi commun qui était le bloc communiste. Et en même temps, à partir du moment où le paysage stratégique s'est trouvé totalement bouleversé, moi j'étais dans cette structure qui consiste à trouver de l'ennemi, si vous voulez, mais il n'y en avait plus. Donc quand vous êtes dans une structure administrative qui vit avec des budgets publics, si vous n'avez plus d'objets, vous risquez le chômage technique. Et alors, non, je caricature, mais en fait, c'est le moment où les Américains ont produit beaucoup de concepts qui ont structuré tout le débat politique. Regardez, par exemple, le clash des civilisations a été traduit en 35 langues. Ça veut dire que quoi que vous en pensiez, vous étiez obligé de discuter selon les termes qui étaient posés par les Américains. Mmh. Alors après, il y a eu le 11 septembre, donc ce qui a bouleversé, si vous voulez, la chose. Mais encore une fois, on se retrouve dans la même problématique, c'est-à-dire, alors que les Américains sont attaqués par un attentat terroriste, le janvier 2002, Bush fait un discours sur la prolifération. C'est-à-dire qu'il dit aux Américains, je ne vais pas m'occuper des terroristes, je vais aussi m'occuper des terroristes, mais je vais m'occuper des pays de l'axe du mal, Iran, Irak, Corée du Nord. Et c'est la première fois, si vous voulez, dans l'histoire de l'humanité, qu'une superpuissance fait la guerre à des concepts, puisqu'il déclare la guerre à la prolifération et au terrorisme. Il ne fait pas la guerre à des pays. Et pourquoi donc, il l'a fait, d'après vous? Mais je crois que c'était une préparation idéologique qui était déjà très ancienne, c'est-à-dire que dans le processus qui va déclencher et qui va amener la guerre, vous avez souvent, dans une communauté, le sentiment de la vengeance ou le sentiment de l'humiliation qu'il faut venger. Bon. Mmh. Pour les Américains, la vengeance suprême, ça a été la prise d'otage de l'ambassade à Téhéran et évidemment, en arrière-fond, la révolution iranienne, dans laquelle ils n'avaient strictement rien vu venir. Donc, un de leurs principaux alliés de la région était renversé. Et ce sentiment d'humiliation qui, n'oubliez pas, a fait tomber Carter et qui a finalement amené Reagan au pouvoir, il fallait le venger. Et c'est à ce moment-là qu'on constate un processus de conquête des lieux de pouvoir par les néoconservateurs, exactement comme les islamistes ont conquis les lieux de pouvoir dans le monde arabo-musulman. Yeah, les universités, les think tanks, les conseillers du prince, les partis politiques. Et vous êtes arrivé avec ce magnifique résultat qui a été George Bush, dont vous avez d'ailleurs une métastase probablement avec Romney demain. On n'espère pas. Ben, écoutez, je ne sais pas. Malheureusement, la décision ne nous appartient pas, mais ça risque d'être grave. Mais j'aimerais bien être américaine aujourd'hui pour ne pas voter Romney. Mais ça ressemble beaucoup à un clone. Hein. Oui. À la حديث رائع ما راح اقدر كثير يعني اخذ من وقتهم ولكن بكتابه بيقول كيف واحد بيقدر يلغي حدا يعني
ضده هيك ما بيعود يكون هذا يعني كيف اليوم بسياسة أمريكا بتلغي دي كونسبت يعني ما بتلغي هيك أفكار تقدر تعمل حروب أو تدخل ببلدين غيرها وأكيد عم بيهون كتير ضد ما فعله الرئيس بوش اللي اشتغل ضد الإنسانية وعمل حروب يعني هو فينا نقول بلد من أهم يعني أوتو أهم هي الأهم بالعالم لا بلدين أقل أكيد مثل العراق وغيرها وبيقول أيضا أنه إن شاء الله يضلوا رئيس أمريكا هو أوباما وليس رومني لأنه منرجع منقلب بذات الغلط Vous parlez des faiseurs d'opinion qui sont capables donc d'éliminer ou de fabriquer l'ennemi. Qui sont ces faiseurs d'opinion ? Je crois que dans les analyses des sociologues, si vous voulez, on a l'habitude d'identifier ces marqueurs qui vont faire qu'une société se reconnaît elle-même, son système, son code social, ses valeurs religieuses, etc. Donc, il y a une partie de ces faiseurs d'opinion qu'on oublie souvent qui sont ceux qui vont justement être l'interface avec un autre, c'est-à-dire ceux qui vont déterminer qui est l'ennemi. Mmh. Et dans ces catégories, vous avez à la fois des structures administratives, c'est-à-dire des services du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères, mais vous avez aussi des entités privées qui vont être des think tanks, par exemple. Et puis, vous avez des intellectuels qui vont eux-mêmes participer, en particulier par leur accès aux médias, à la fabrication d'un ennemi. Bon. On a eu un exemple, nous, récent, évidemment, avec la Libye, c'est-à-dire que le rôle joué par Bernard-Henri Lévy dans le déclenchement de l'opération militaire et la conviction avec laquelle il a pesé sur Sarkozy, et l'exemple même, si vous voulez, du paroxysme absolu du pouvoir de l'intellectuel. Donc c'est ça, c'est cette catégorie-là, ce que les Américains appellent les strategists, c'est-à-dire tous ces gens qui vont définir la stratégie qui m'a intéressé. Mm-hmm. بس قالوا انه مين هو عم بيحكي انه في ناس هي بتفرض رأيها تخترع أعداء أو لتلغي أعداء قلت له مين بيكونوا؟ قال لي أكيد في سياسيين ولكن كمان في مفكرين وفي ناس بتشتغل على استراتيجية المعينة ها هي السياسة العالمية Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Laurence? Vous avez aussi une convergence des barbaries, une alliance des barbaries, on l'a très bien vu ces derniers temps. Prenez les islamistes d'un côté et les islamophobes de l'autre. Ils s'auto-entretiennent. Les islamistes font des actes de violence qui soutiennent l'islamophobie et les islamophobes font des actes de blasphème qui activent les islamistes. Et finalement, tous les deux parties sont très contents puisqu'ils peuvent exister et influencer sur la société. Mm-hmm. Et donc il y a une donc convergence. Ils s'entraident quelque part, alors qu'ils sont de deux côtés totalement différents. Dans la construction de l'animosité, si vous voulez, il y a un effet miroir. C'est-à-dire, si vous qualifiez l'autre d'un ennemi, il vous prend évidemment pour son ennemi. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup sont les catégories politiques. C'est-à-dire que vous avez un extrémisme religieux musulman, c'est évident. Mais vous avez un extrémisme religieux juif, c'est celui qui peuple les colonies, et vous avez un extrémisme religieux chrétien qui est celui des néo-évangélistes américains, qui sont un des fondements politiques de la politique des républicains. Mais les catégories politiques font que vous ne les traitez pas de la même manière. Or, théoriquement, c'est la même manière. Je vous prends un autre exemple. Mitt Romney a un programme qui est très proche de celui de Marine Le Pen en France. Refus de l'avortement, expulsion des immigrés illégaux, fermeture des frontières. En France, il n'aurait jamais eu ces 400 signatures. Et pourtant, jamais personne ne qualifie Romney d'un homme d'extrême droite. Alors qu'on va expliquer que Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, qu'en Autriche, monte l'extrême droite. On a un phénomène qu'on ne veut refuse de catégoriser de la même façon. Et c'est là qu'est l'idéologie. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai compris. C'est-à-dire, totalement, ça change totalement. Cette même image, cette même personnalité prend un autre nom quand ça. Absolument, oui. En Europe. Aux États-Unis. Par exemple. Hein. Par exemple. عم نسأله إنه أكيد شو رأيه لمسيو أنري لورانس عم بيحكي أكيد عن المتطرفين عم بيعطي مثل المسلمين اللي بيشتغلوا بيعملوا أكيد أمور كتير تسعى لمساعدة اللي هن منفتحين للمسلمين وبهالطريقة عم بيقول مسيو كونيسار بيصير في إفي ميروار يعني أكيد إذا واحد بياخذ بقول انا انه بدنا نقول مسيو أنري لورانس هو عدوي اكيد هو كمان رح ياخذ زيت يعني رح يوافق على الموضوع وكمان يقول انه انا عدوته وهيدا كثير امور بتصير وبتساعد سياسيا ايضا est-il nécessaire ça c'est et j'aimerais bien vous poser cette question surtout maintenant qu'est-ce qui se passe dans le monde arabe à vous deux et j'aimerais avoir vos deux réponses. Est-il nécessaire de vivre dans un monde constitué
de menaces, de risques, de peurs, puisque c'est ce qu'on remarque sur le niveau politique et surtout d'armement. Pour le Proche-Orient, vous êtes dans une zone géostratégique où différentes forces s'opposent depuis longtemps avec différents épisodes. Vous avez des déséquilibres démographiques, économiques, sociaux. Cela dit, même si on ne peut pas avoir une vue totalement bénigne des choses, plus vous êtes dans un système démocratique, moins le risque de guerre peut se développer au sens où la démocratie neutralise en partie. Mm-hmm. Alors, évidemment, je n'ai pas l'illusion que certains néoconservateurs américains qui disent deux pays qui ont chacun un McDonald's ne se font pas la guerre. Mm-hmm. Israël a fait la guerre au Liban qui a des McDonald's. Ouais, c'est vrai. Mais disons que plus le printemps arabe fonctionnera correctement, plus il apportera de la démocratie à cette région du monde, plus il y a des moyens de limiter le recours à la violence. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Connaissant ? Moi, encore une fois, je suis dans le domaine de l'idéologie. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est de démonter l'idéologie. Bon. Si vous voulez, paradoxalement, on vit tous une crise financière, surtout en France, une crise économique et financière, dont l'origine est quelque part à Wall Street et à la City, et les acteurs principaux sont Goldman Sachs et d'autres. Bon. Ouais. Jamais vous ne trouverez un ouvrage stratégique expliquant qu'il faut faire disparaître Goldman Sachs. Bien sûr. Donc par contre, vous allez expliquer, vous allez trouver des explications expliquant que la fragmentation ethnique, etc. etc. Or, vous voyez, la manière dont on qualifie de menace ou de risque, c'est un principe idéologique. L'autre point sur lequel peut-être je divergerai un peu avec Henri Laurence, c'est que malheureusement, il y a des démocraties bellicistes. La France et la Grande-Bretagne ont conquis la moitié du monde pour la colonisation, donc c'était les deux seules démocraties de l'époque. Les Américains ont été en Irak et Israël continue à occuper les territoires à coloniser les territoires occupés. Donc, paradoxalement, c'est le centre de gravité de chacune des sociétés qui détermine son rapport d'hostilité. Et par contre, il y a des dictatures qui n'ont jamais été bellicistes, c'est des sujets à la une. Et je crois que vos deux livres sont des livres à ne pas manquer. Monsieur Henri Laurence, merci beaucoup. Monsieur Pierre Conessa, de même. Merci. Et bonne chance pour le salon. مشاهدينا الكرام انا راح لكم على السريع المعلومات عن لوتور دو جور تتلحقوا تجاوبونا على لوتور دو جور العشيه هو كاتب فرانكوفوني غير فرنسي عضو بالاكاديمي غونكور وبيوقع كتابه اليوم جاوبونا كلكم واكيد ما تنسوا موعدنا اليوم الساعه 6 مباشره من معرض كتاب الفرانكوفوني